Le jeu a été gracieusement offert par EA. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau. Je vais vous parler aujourd'hui de la carrière vétérinaire. J'ai pas encore testé, donc je vous propose de tester avec moi. J'ai pris une cimette. Voilà, c'est elle qui va être vétérinaire en fait. Alors dans mon jeu, c'est la fille de Lara Croft et Steve Jobs. Voilà, on ne se refuse rien. Et je trouve que d'ailleurs, elle est vraiment plutôt pas mal. Voilà, Steve Jobs qui est le sim de Missing, le célèbre sim de Missing d'ailleurs. Je mettrai les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Et donc voilà, j'ai décidé quelle serait ma vétérinaire. Alors c'est parti. Alors, ça coûte assez cher hein, d'acheter le local. Donc Mother Lode, hein, comme on fait d'habitude. Donc elle a 100 000, je pense que c'est bon. Je vais voir maintenant. Alors, voilà, donc vous cliquez, voilà, à partir du téléphone, carrière foyer, et acheter une clinique vétérinaire. Allez hop, on va faire ça. Alors ça c'est ma cimette. Oh, ça c'est son chéri, qui est né dans mon jeu, Paul Douglas. Et voilà, elle a, ils ont des chiens, ça c'est le papa de Paul, enfin voilà, je vous fais un petit peu la présentation de tout le monde. Alors, on en route pour Brindleton Bay. Je m'y fais pas du tout à ce nom. Et donc la clinique vétérinaire, elle est là. Voilà, ah, elle coûte 86 000, donc ben voilà, hein, on va l'acheter. Hop, confirmé, meublé, oui, c'est peut-être mieux. Hein. Pour voir un petit peu comment ça se passe. Alors, j'ai regardé le live hier soir de Crimounette. Je vous mettrai aussi le lien de sa chaîne en barre d'infos. Sur Twitch, et voilà, pour regarder un petit peu comment ça se passait. Et j'ai vu que c'était donc un mélange apparemment de au restaurant et de des commerces, je sais pas trop. Non, pas des commerces, des... je dis n'importe quoi. Un mélange de au restaurant et de la carrière un peu médecin, il me semble. De plusieurs carrières, mais surtout médecin, je pense. Alors, montant à transférer. Bah écoute, si ça te fait plaisir, hein, vas-y. Allez, hop. Voilà. On va mettre sur pause 2 secondes. Voilà ma veto. Elle est pas chouchou. Alors, clinique vétérinaire. Posséder une clinique vétérinaire. Nanana, gérer. Bon, ben voilà. Hein. Ok. Alors, ça va être peut-être par là. Voilà, c'est ça. On clique sur le dernier bouton. Et voilà, il y a un système d'étoiles. Alors là, c'est fermé actuellement, hein, bien sûr. On peut paramétrer, alors la paramètre, je vais voir un peu, marge 100%, publicité, voilà. Pour la publicité, pour qualité du matériel standard, mais je ne peux pas le faire tout de suite. Et les employés, bon j'ai pas d'employés, et le fameux bas de pyjama, je trouve que ça ressemble trop à un bas de pyjama. Bon, alors on va voir. Allez, bien ouvrir, hein. Écoute. Voilà, hop. Bon, il est 13h46 dans le jeu. Qu'est-ce que tu vas faire hein? Troller sur les forums. Bah oui, évidemment, c'est bien le moment. Hein. On va attendre, on va voir comment ça se passe. Alors, voir le résumé de la période. Là, c'est gérer les employés, les finances actuelles, nombre de clients 0. Bon, on attend les clients. Hein. Et apparemment, ça commence. Propriétaire de l'animal... Un petit chien. Allez, on arrête de troller sur les forums. Et qu'est-ce qu'il fait là? Ça c'est quoi? Empêcher l'arrivée de nouveaux clients? Ben non. Hein. Alors, accueillir un patient. Chaleureusement. Accueillir un patient chaleureusement parce qu'on est sympa hein, quand même nous. Donc on y va. Comment ça rend un peu quand c'est fermé? Cette petite clinique vétérinaire. Alors, soigner un patient. Je ne sais pas ce qu'a Rosie, mais son comportement est inquiétant. Pensez-vous pouvoir l'aider? Mais bien sûr, cher monsieur. La pauvre petite Rosie. Moi, je trouve que c'est sympa. Enfin, de ce que j'ai vu hier soir sur le live de crime, franchement, je trouvais ça plutôt sympa. Ce petit système-là. Alors, on va remettre comme ça, sinon on n'y voit rien. Hein.
Oh là là, le pauvre. Qu'est-ce qu'il arrive ? On va mettre sur pause 2 secondes. Non. Calmer le patient. Examen, traitement. Emmener à la station de chirurgie. Oh, on va peut-être éviter là tout de suite. Hein. Alors, calmer le patient. Calmer l'animal. Déjà. Bag. Pomeray. Ah. What a sieve. Chewing-gum a vaincu... Ah non, ok, ça c'est le chien de ma famille. C'est la bonne. De quoi il parle ? Alors, la nouvelle compétence de Sarah en sciences vétérinaires lui permet de soigner les animaux à l'aide... Enfin, des animaux à l'aide de matériel spécialisé comme la table d'examen ou la station de chirurgie. Améliorer cette compétence en soignant plus d'animaux. Bon ben, ça, je m'en serais peut-être douté un peu. Alors... Vas-y, continue. Seven more. Lamida, Camaria. Il est trop mignon. Moi, je fonds devant les animaux. Ils sont trop, trop chouchous. Alors, examen. Écoutez la respiration. On va voir un petit peu tout ce qu'on a. Examen. Écoutez le cœur. Sur pause 2 secondes. Résultat d'examen, puce. Grand cirque de puce. Bon. Alors, traitement. Alors voilà. Là, on a le pouce en bas et le pouce en l'air. Hein. Comme sur YouTube, d'ailleurs. Bon, donc, spray antiparasite. 25 simflouz. Ah oui, mais c'est vrai, c'est sûr. En plus, c'est payé. Alors, on va voir qu'est-ce qu'elle veut lui faire. Oh, le maître, il est tout content. Maladie soignée. Sarah finit d'examiner et de soigner Rosie. Elle devrait se sentir bien mieux désormais. Chouette. Voilà, mon premier patient. Alors, on a gagné des sous. Ce qui est un peu le but aussi. Alors, ben c'est bon. Alors après, comment on fait ? Facturer le propriétaire. Oui. Non, ça marche pas. Facturer le propriétaire, apparemment, oui, donc c'est déjà fait peut-être. Ah oui, j'ai gagné 100. Ok, j'avais même pas vu. Laisser partir le patient, du coup. Hop. Salut. À bientôt. Alors, est-ce que ça marche? Ou est-ce que je suis bloquée? Non, ça va. Bon. J'étais un peu bloquée, en fait. Bah dis donc. Dis donc, t'es mariée ma cocotte hein. Alors. Ensuite, bon. Hop, on continue. Patient suivant. Mais non, arrête de troller sur les forums. Alors. Hein. Accueillir un patient chaleureusement, on continue sur notre lancée. Allez, vas-y. Il a des pattes un peu chelou, hein. Ah oui, là, d'accord. Patient, Farouk, adulte. Alors Farouk, qu'est-ce qui t'arrive ? Soigner un patient. Je n'ai jamais vu Farouk agir de la sorte auparavant. J'espérais que c'était temporaire, mais cela ne fait qu'empirer. Je vous en prie, faites quelque chose. Allez, c'est parti. Viens Farouk. Oh Farouk, il a l'air cool. Hein. Oh mais il est mon chien là, tiens. Qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Tranquille, hein, il vient s'incruster un peu. Je vous présente Chewing-Gum. Un golden retriever. Oh, okay. Allez, on va mettre pause 2 secondes. Je vais regarder ce qu'on peut faire aussi. Ah, qu'est-ce qui est marqué ? L'attente a été courte et agréable. Ah, ça fait plaisir. Bah oui, on est sympa nous. Alors, calmer le patient. Bon, c'est bon, hein, il a pas l'air très stressé non plus. Alors, traitement évidemment. Là, voilà, là j'ai que des points d'interrogation. Examen. Consulter le dossier, écouter la respiration, écouter le cœur, examiner la gueule, inspection de la peau fourrure. On va commencer par ça. Et non, c'est pas là. Et ensuite, on va examen des yeux. Bon, apparemment, il y a un truc aux pattes. Hein, mais on peut pas, on peut pas. Alors peut-être la gueule aussi. Oh. Pâte chaude.
strong knees. Traitement, non. Bon, je ne peux pas encore prendre la température. Donc, Fortuna. Oh là là. Bah oui, Attends, on va te calmer. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Ah bah non. Comment c'est l'examen? Non, viens ici. Allez, ah, c'est peut-être parce que j'ai annulé, du coup, ça... Il est redescendu. Ouais, en plus, il y a quelqu'un qui attend là-bas. Ben, il attend, c'est pas grave, hein. Alors, on va faire... Calmer l'animal, parce que... Il est assez stressé, là, hein. Soyem. Allez, Farouk. Mou, gentil chien. Voilà. On va voir si ça change là-haut, tiens. Atteint le niveau 2 de la compétence vétérinaire, bravo. Ah, je commence à avoir un peu la dalle. Est-ce que j'ai quelque chose à grignoter dans mon... Non. In the bouche. Alors, Farouk est redevenu calme. Alors je vais pouvoir... Ah, il a les yeux verrons, c'est rigolo. Il est joli comme chien. Alors, examen, on va faire prendre la température. Bon voilà, il a l'air tout gentil. Alors, yeux secs, pattes chaudes et examen, on va continuer à écouter le cœur. Et j'espère que elle va pouvoir faire un diagnostic. Yes, trop forte ma cocotte. Alors, pâte brûlante. Bon ben, moi, je suis pas véto, mais j'aurais pu trouver toute seule. Hein. Traitement spray anti-parasite. Yoshiba. C'est ça pour les pâtes chaudes. Ça, par contre, j'aurais pas trouvé toute seule. Maladie soignée. Cool. Alors, voyons voir un peu. Alors, facture à la propriétaire, je pense que c'est déjà fait. Je vais... Enfin, on va essayer quand même. Pator. Ah non, c'était pas fait. D'accord. Alors autant le premier, je l'ai pas fait non plus. Bon, c'est pas grave. Allez, laissez partir le patient. Ou alors elle s'en va. Non, il faut lui dire à chaque fois de partir. Et ensuite, le pauvre, lui, il attend. Allez. Accueillir un patient chaleureusement. Hop. Pourquoi ça marche pas? Hop, allez, le retourne. Hop, on va avancer un petit peu plus rapidement. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Mon petit Bartholomew. D'accord. A quelque chose qui ne va pas. Pourriez-vous l'aider? Allez, on va aider Bartholomew. Qui apparemment a un problème de truffe. Sans être devin. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu veux pas? Qu'est-ce qui s'est passé là? Je sais pas. Il attend quoi là? Eh ben non, mais ça va, c'est la fête. Allez, commencez l'examen. On va voir si elle revient toute seule. Ou il, d'ailleurs. Hein? Il. Allez, qu'est-ce que tu fais? Simake! Bah oui, forcément. Hein. Hop, avance. Voilà. Cette fois, c'est bon. Crow. Hop. Allez. Il y a trois encore... trois petits examens à faire, quoi, on va dire. Alors, écoutez la respiration, examen, écoutez le cœur, et on va faire... Examiner les yeux en espérant qu'ils soient toujours calmes. Serbenjorba. Oh, c'est 19h. Oh, après, je vais m'arrêter, je sens. Pour rentrer chez moi. Parce que là, elle commence à en avoir un peu marre, la pauvre. Ah, bah oui, forcément, elle a envie de faire pipi. Bon, allez, vas-y. Sinon, je sens que ça va pas marcher. Et après. Empêcher l'arrivée de nouveaux patients, du coup. Et on va commencer à examiner. Allez, vas-y. Voilà,
Voilà, ça va mieux. Alors, on finit celui-là. Hop. Examen. Examiner la gueule. Ça ressemble beaucoup à la carrière de médecin, je trouve, hein, où on a tout un tas de choses à faire comme ça. Et examen, donc il n'y en a plus qu'un. Plus qu'un à découvrir là. Oh, Soso. Une cause. Bon, ah, il commence à être stressé le pauvre. Hein. Traitement. Inspection de la peau fourrure. On va essayer celui-là. Et j'espère que ça va marcher et qu'il va pas être trop stressé. Oui, ça n'a pas marché évidemment. Il est hyper stressé. Allez, calmez le patient. J'avance un petit peu. Que ça, ils prennent vraiment leur temps. Voilà, donc c'est bon. Et ensuite, donc, examen, écoutez le cœur. On va voir si ça suffit. Un petit chat. Petit chat avec les yeux rouges. Allez, les yeux rouges, le nez rouge. Nez bouillant commun. Allez, traitement, spray désinfectant bio. Classe. Allez, vas-y. Alors lui, c'est qui ? Justin Delgado. Oui, c'est un habitant de la nouvelle ville. Et voilà. Hop. On fiche de ça. Alors, a atteint le niveau 3 de la compétence vétérinaire. Sarah peut désormais fabriquer de la pâte à mâcher à la cannelle épicée avec la machine à médicaments. Elle a également débloqué un adorable sticker mural d'animal. Ok, bah, c'est chouette. Maladie soignée. Ok, donc, alors. Et quoi, je le fais pas payer, lui ? Ah si, ça y est. Donc, laissez partir le patient. Salut. À bientôt. C'était très sympa. Qu'est-ce qui t'arrive ? Obsession des animaux. Comme presque tous les animaux, chewing-gum... ouais, ça, c'est mon chien, moi. Donc, on va pas voir ça tout de suite. Salut. Bon, je vais couper le temps que ma cimette rentre chez elle et revenir le lendemain. Et je vous reprends tout de suite. À tout de suite. Alors, juste une chose en arrivant chez elle. Donc, j'ai eu ce pop-up qui me dit « Anime Hôpital de Brenalton Bay, une étoile ». En fait, c'est le résumé un petit peu de ce qui s'est passé. Total, pour la période de travail, 3 clients servis. Donc, 3 clients dans l'après-midi, c'est pas super hein, quand même, on va dire. Total des heures d'ouverture, 8 heures. Traitement, 375 simflouz, salaire du 0, coût de publicité 0 et bénéfice net 375. Donc voilà, évaluation des clients, alors l'ambiance. Essayez de faire du ménage dans votre clinique ou d'ajouter des plus beaux meubles. Qualité de service, essayez d'améliorer la qualité de vos produits ou d'administrer des traitements plus adaptés. Et point fort, temps d'attente. Votre clinique vétérinaire a des temps d'attente très courts, ce qui est fantastique pour les clients ayant besoin de soins urgents. Voilà, donc bah, c'est pas si mal hein, pour une première journée. Allez, je vais couper histoire qu'elle se remette un petit peu d'aplomb et je reviens dans la clinique demain matin. Voilà, je suis de retour et la cimette aussi. Donc, elle est en forme, hein. Voilà, nickel. Elle a passé une bonne nuit. Elle s'est amusée avec ses chiens chez elle. Et voilà, et donc elle est de retour. Alors, on va visiter un petit peu la clinique vétérinaire en attendant. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va encore troller sur les forums. Mais arrête un peu. Allez, quelqu'un arrive. Hop, on y va. Alors, je vais rebaisser ça. Accueillir un patient chaleureusement. Ouh là là, qu'est-ce qu'il y a le pauvre chat. On dirait qu'il y a des chauves-souris qui tournent autour. C'est quoi?
Alors, soigner un patient. Doc n'est pas comme d'habitude. Je crois qu'il ne va pas bien. Oui, je peux l'examiner, bien sûr. Alors, hop. Hey, le petit tour sur elle-même pour être dans sa tenue. Magnifique tenue de vétérinaire. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que c'est qui lui tourne autour, ce chat? Oh, le pauvre. Je suis très compatissante avec mes cils. Allez, hop, tu vas te poser une seconde. Bon, pour l'instant, il n'est pas stressé, donc on va faire examen, écouter la respiration, examen, écouter le cœur, examen, examiner les yeux. Allez, et puis on va enchaîner par la gueule. Voilà. Ah, oh, il se passe. Sous les yeux de sa maîtresse. Chat âgé. Oh là là. Alors on va peut-être arrêter là. Et là, je vais faire calmer le patient. Voilà. Je vais accélérer un peu. Parce que sinon... Voilà, on va le calmer. Et elle a trouvé sa maladie, donc c'est chouette. Maintenant, on va faire le traitement. Et c'est spray antiparasitaire. Allez, tu lui arrives. Et voilà, maladie soignée. Sarah a fini d'examiner et de soigner Doc. Il devrait se sentir bien mieux désormais. Bon, maintenant, je facture. Hop. Et voilà. Et le chat, il sent pas très bon, hein, apparemment. Et maintenant, on peut laisser partir le patient et accueillir... Eh, mais dis donc. Qui c'est qui m'a fait pipi par terre? J'ai pas vu. Allez, hop. On se dépêche, on va nettoyer. Sinon, on va perdre des étoiles à cause de ça. Fais remarquer que je sais pas si on peut perdre des étoiles à cause de ça, mais... Ah, elle pense à un membre de sa famille. Encore? Ah ouais. Ok, hein. Allez, c'est parti. Oui, c'est la cimette avec tous les chats qui habitent en ville. Alors, accueillir un patient chaleureusement. On continue. Josie a l'air un peu malade ces derniers jours. On va soigner Josie, donc. Allez, Josie, tu montes. Hop. On met pause. Et c'est reparti. Bon, en fait, ça va... Non, traitement, ça va pas marcher. Hein. Alors, cette fois-ci, on va examiner direct la gueule. Non. Examen. Et inspecter la fourrure. Bon, c'est un peu toujours le même système. Hein. Je pense qu'il faut vraiment plusieurs jours avant... avant de progresser. Hop, on se dépêche un petit peu. Alors. Ouais, Josie, elle commence à être un peu stressée. Hein. Qu'est-ce qu'elle fait là? Examiner Josie. D'accord. Oh, je vais quand même essayer d'inspecter les oreilles. Non, elle a pas envie. Allez, calme. Calme-toi. Sinon, je crois que l'animal peut carrément se barrer, il me semble. Voilà, c'est bon. Maintenant, on peut continuer. Alors, examen, inspecter les oreilles, vas-y. Qu'est-ce qu'elle m'a fait, là? Ça y est, elle a trouvé. Maladie des crottes colorées. Ah bah, écoute. Traitement. Maladie des crottes colorées. Alors, biscuit aux médicaments. Ça a l'air terrible. Hein. Mais bon, ça marche. Hein. Donc, maladie des crottes colorées, c'est pas mal. Ça y est. Laissez partir le patient. Maintenant, tu m'as payé, c'est bon. Alors, salut, à la prochaine. Et qui c'est là? Hop. Ah oui, mais t'es pas content parce que tu attends depuis longtemps. Plaisanter à propos de l'animal, non. On va peut-être pas faire ça. Hein. Accueillir un patient chaleureusement, toujours. Il est pas très content. Hein. Allez.
Je n'ai jamais vu Taz agir de la sorte auparavant. Allez, on va voir. On va examiner Taz. Qui est... C'est quoi cette coupe là? Sympa Taz. Allez, vas-y. Alors, oh là là, Taz il est stressé d'entrer, donc on va le calmer tout de suite. On va le calmer tout de suite. Et lui c'est qui? Philippe Bonnet. Dernier avis, les vétérinaires de cette clinique sont fantastiques avec les animaux. Oh, ça fait plaisir. Allez, c'est moi qui suis stressée. Enfin, moi. Massimette. Alors, maintenant, c'est bon, il est redevenu calme. On va pouvoir l'examiner. Alors, à première vue, oh, la tête, quoi. Il est trop chou. Alors, examen. Qu'est-ce que je vais lui... Oh là là, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Prends la température, tiens, vas-y. Examen, examiner les yeux, examiner... écouter la respiration, inspection de la fourrure, écouter le cœur... Ah, mais là, ça y est! Dis donc, elle est trop forte, hein! Bravo, bravo, bravo! J'adore cette cimette, elle est trop jolie. Elle a trouvé, donc, piqûre préventive. Terminer l'examen, emmener la solution. Piqûre préventive, d'accord. Ah oui, bah parce que... Ah oui, d'accord, parce qu'elle est en bonne santé, donc... Ou il. Taz, plutôt. Taz, il est en bonne santé. Non. Ah, il veut pas. Il est... Oh là là. Il est encore tendu. Alors ce que je vais faire, c'est que après ce patient, je vais embaucher quelqu'un peut-être pour voir comment ça se passe et parce que là, voilà. Donc là, c'est bon. Maintenant, je vais pouvoir faire la piqûre préventive. Hop. Et voilà. Bilan de santé terminé. Sarah a fini d'examiner Taz. Il n'est pas malade finalement. Ben bravo. Allez. Est-ce que... Non, là, il n'y a rien de spécial. Alors, normalement, il va me payer. Et il peut partir. Crier des mots interdits. Non. Ça se fait pas, ma cocotte. Tu le laisses partir. Enfin, on va voir s'il part tout seul. Non, il part pas tout seul. Ça, c'est dommage, par contre. Allez, tu pars. Salut. Et encore la dame au chat. Donc, ok. Alors, je vais essayer de... paramètres de la clinique, voir le résumé, gérer les employés. Alors, vétérinaire disponible. Bon, bah, je vais prendre un sim à moi. Hein. Alors, Jade Verne, elle, c'est une simette à moi, qui est née dans mon jeu. Donc, je vais la choisir. Je l'ai choisi parce que c'est ma cimette, mais en fait, logiquement, on n'est pas censé choisir comme ça. Hein. On est censé choisir plutôt peut-être pour les compétences. Voilà. Lui, par exemple, il était bien mieux. Il avait plus de compétences. Remarque, je m'en sors peut-être pas si mal. Alors, promouvoir Jade Verne au niveau 2. Licencié. Ben, on va peut-être pas faire ça tout de suite. Alors, elle a engagé une nouvelle, Sarah a engagé une nouvelle vétérinaire. Jade Verne viendra faire sa première journée de travail dès que possible. Veillez à suivre les compétences de Jade dans la fenêtre « Gérer les employés ». Alors, où on en est? Ouvert depuis 6 heures. Bénéfice du service 300 simflouz. Points d'avantage. Ah oui, j'ai pas regardé les points d'avantage. Donc, on peut cliquer. Et là, on a pas mal de points. Alors, donc, pour ce qui vont jusqu'à 5000 points. De 350 à 5000. Donc le premier, c'est vétérinaire supplémentaire numéro 1. Débloque la possibilité d'engager un vétérinaire supplémentaire dans la fenêtre gérer les employés. Bon, bah, pour l'instant, j'en ai qu'un, donc c'est bon. Affluence augmentée. Non, là, pas tout de suite. Hein. Débloquer la qualité du matériel. Ça, c'est sympa, ça. Patient. Ah, ça, c'est chouette aussi. Hein. Rend les propriétaires d'animaux plus faciles à impressionner avec un service rapide et moins enclin à être contrarié par un service lent. Discours inspirant. Alors moi j'ai 1265 points. Alors, débloque l'interaction sociale. Discours inspirant qui permet de rendre vos employés inspirés. Ouais, bon ok.
vétérinaire numéro 2, coût de formation des employés réduit. Oh, c'est pas mal ça aussi. Hein. Bonne gestion. Bon, ça, voilà. Bonne gestion. Blouse de vétérinaire, débloque une blouse blanche. si ça pouvait enlever le bas de pyjama, ce serait peut-être pas mal. Mais bon, apparemment, on doit pouvoir les habiller comme on veut aussi. Et réduction du stress des animaux. Alors, ralentit la vitesse à laquelle les animaux deviennent stressés. Ah, ça, c'est génial, ça. Dommage que ce soit le coût le plus cher. Alors, ce que je vais faire, débloquer la qualité du matériel. Voilà, parce que ça, je trouve ça chouette. Remarque, j'aurais pu faire la patience aussi. Mais je peux le faire. Patient, patient. Allez, vas-y, c'est parti. Comme ça, c'est pas mal. Alors, est-ce que mon employé est là ? Ou pas. Il va peut-être arriver. Alors je vais accueillir. Accueillir déjà cette patiente. Ma petite Cléo a quelque chose qui ne va pas. Pourriez-vous l'aider? Mais bien sûr. On va aider Cléo. Elle ne vient pas l'employer, donc je pense qu'il faut peut-être que je la gère en fait. Gérer les employés. Non, elle viendra dès que possible, donc ce sera peut-être demain, en fait. Peut-être la prochaine ouverture, je sais pas. On verra ça plus tard. Allez, il y a déjà quelqu'un qui arrive, en plus. Allez, on va soigner Cléo. Alors. Cléo, qui est ? Un chat. Comme un sphinx, on dirait. Hein. On dirait que c'est un chat nu. Alors, elle n'est pas stressée, donc on va inspecter. A priori, on voit rien de spécial, hein. Ah si. Inspecter la fourrure. Elle a des puces. Qu'est-ce que j'ai dit, là? Ouais, c'est pas grave. On va laisser ça, parce que j'ai peur que ça m'annule tout. C'est génial, ça. J'adore. C'est super. Grand cirque de puces. Ben oui. J'ai trouvé moi aussi. Hein. Traitement, spray antiparasitaire, allez, vas-y. Voilà. Super. Ok. Maintenant, donc maladie soignée. Maintenant, on laisse partir le patient. Je vais voir si ma veto est arrivée, mais non, elle n'est pas arrivée. Donc du coup, accueillir un patient chaleureusement, on continue. Soigner un patient. C'est quoi ce chat? Un chat bleu. Je n'ai jamais vu Simon agir de la sorte auparavant. Moi non plus. Hein. J'espérais que c'était temporaire, mais cela ne fait qu'empirer. Je vous en prie, faites quelque chose. Allez, on y va. On va examiner Simon, le chat bleu. Le travail de Paul commence. Ok. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Il est où le chat bleu? Pourquoi je... Présentation prudente, caressée, nanana. Commencez l'examen. Dis donc. Viens ici. Elle commence à voir la dalle. Oh, l'impima. Empêcher l'arrivée des nouveaux. Voilà. C'est fini après 16h40. Coco, c'est pas très... Ah oui, mais ça fait depuis toute la journée qu'elle y est. J'ai commencé tôt. Alors. Alors, qu'est-ce qu'il y a ce chat bleu? Bon, il est mignon, hein, ce petit chat bleu. Voilà, on voit pas trop, hein, mais il aurait fallu peut-être que je fasse comme ça. Voilà. Là, on le voit. Allez, hop, je vais prendre un petit screen en même temps. Je fais comme chez moi. Hein. Voilà. Et donc. Alors, examen. Qu'est-ce qu'il a? Inspection de la peau fourrure. Bah oui, il est bleu. Hein. On va peut-être commencer par là. Hop. Fourrure glaciale, température basse. J'ai pas vu ce qui est venu, Paul, pour travailler. Ok, enfin, je sais pas si c'était ça. Alors. Inspecter les oreilles, la gueule, les yeux. Écouter la respiration. Fourrure glaciale, température basse. Il est adulte. Ok, il commence à se stresser, là. On va calmer. Allez, calme-toi. Oh, c'est mignon. Oh là, je suis gaga, moi, des animaux. Hein. Je les trouve trop bien faits. Ils sont trop mignons. Voilà, il est calme. Donc, inspecter... écoutez le cœur. Allez, vas-y.
Je passe en accéléré, hein, parce que sinon... Et voilà, peau trop moite, fièvre du freezer. Ok, alors traitement, faire une piqûre charge antivirale, allez. Ça y est. Oh, il a changé de couleur, c'est plus un chat bleu. Dingue. Génial, bon, ok. C'est rigolo ça. Bon, eh ben écoute, laissez partir le patient. Et je pense que je vais fermer là. Hop là. Voilà, je ferme. Donc j'ai 2 étoiles. Total pour la période travaillée, 6 clients servis. Alors ça fait le total à chaque fois. Total des heures d'ouverture, 10 heures. C'est quand même, elle a bien travaillé. Hein. Rapport sur les employés, bah oui. Alors je sais pas s'il fallait que je fasse quelque chose pour le faire venir. Je verrai la prochaine fois. Donc je vais encore couper, histoire que voilà de passer la nuit chez elle. Et je reviens tout de suite. À tout de suite. Ça y est, nous sommes le lendemain. Il est 8h01. Ma cimette vient d'ouvrir et voilà Jade Verne, donc c'est l'autre vétérinaire que je viens d'embaucher. Donc c'est une cimette à moi aussi qui est née dans mon jeu, voilà. Allez, donc c'est parti, je pense qu'elle va se changer aussi. Oui, bah, elle, à mon avis, donc elle va se changer une fois qu'elle aura... Ben ouais, d'accord, ça commence bien dis donc. Tu vas te réveiller tout de suite? Non mais dis... Non mais sérieusement? Elle arrive au boulot et elle va dormir? Mais ça va pas, hein? Allez. Alors, voyons voir. Si je clique sur elle, j'ai un onglet gérer Jade. Donc, promouvoir à ce poste vétérinaire niveau 2. Non, écoute, on va éviter, hein? Elle vient juste de s'endormir. Ensuite, rétrograder. Donc, elle peut pas être rétrogradée forcément puisqu'elle est au niveau 1. Ensuite, demander de fabriquer à la station de chirurgie. Par exemple, on peut lui demander de préparer un agent calmant à base d'herbe à chat. Ou on peut lui demander de préparer un gel simulateur de gratouille sur le ventre. Et alors, payer la formation. On peut lui payer une formation. Ça, c'est comme au restaurant où on peut payer la formation des cuisiniers, des serveurs, etc. Ensuite, responsabilité. Ne pas nettoyer... ou ne pas soigner de patients. Allez voir. Allez voir un employé pour connaître son niveau de satisfaction concernant son travail. Critiquer. Alors, critiquer un employé pour lui dire qu'il ne fait pas son maximum. Il travaillera plus dur temporairement, mais cela nuira sa satisfaction concernant son travail. Ce qui est un peu logique aussi. La féliciter, la licencier. Bon, alors, peut-être pas la féliciter tout de suite. Hein. On va accueillir le patient. Et est-ce qu'on peut lui dire... Non, c'est dommage, j'aurais bien aimé lui dire, genre d'aller, non, on peut pas, je suis renseignée sur la carrière, mais bien sûr. Non, je peux pas lui dire d'aller accueillir le patient. Ne pas nettoyer, ne pas soigner de patient, ou alors ne pas nettoyer, non, bon, allez. Moi je vais commencer par, ou alors je vais attendre, je vais voir si elle y va. Hop, il y en a 2 qui arrivent, bon, celui-là je vais l'accueillir moi. Chaleureusement. Hop. On y va. Mais non. Où tu vas? Accueillir un patient chaleureusement. Ah d'accord, elle est déjà partie. Ah, ou alors à moins que... Elle s'occupe déjà de lui. Alors attends. Bon ben je vais... Oui c'est ça. Donc je vais accueillir celle-ci. Ah bah y... Il y en a un qui s'est lâché encore, hein. Mais qu'est-ce que tu fais? Discuter, mais non. Alors, pensez-vous pouvoir l'aider? Il s'appelle Blue. Allez, on va soigner Blue. Voilà, allez, je me mets sur la deuxième table d'examen. Et on va voir. Alors lui, il a un problème à sa tête. Et il est stressé, donc d'entrée... Oh là là, il va, le pauvre. Ça me fait de la peine. Allez, déjà on va le calmer, hein. Allez, calme-toi mon gros.
Tout doux. Et l'autre, apparemment, il a le même... Bon, c'est bien, il est en train de le calmer, parfait. Et il y en a un autre qui arrive, de patient, mais il va attendre celui-là. Allez, j'avance un petit peu. Je vais le mettre comme ça je vois les deux en même temps. Voilà, donc là c'est ok. Alors je continue, hein, on fait toujours la même chose. Pour l'instant, voilà. C'est pas très compliqué hein, finalement. Hein. Alors, salivation incontrôlable, oui. Examen, température, la peau, fourrure. Hop. Examen de la gueule. Oreille infectée et il recommence. Il recommence à s'énerver donc. Je vais le recalmer. Où elle en est, elle? Voilà, c'est fait. Ensuite, donc on en est où? Il me manque à trouver une cause. Alors on va écouter. Qu'est-ce qu'on va faire? Écouter la respiration par exemple. Ah, ça y est, elle a trouvé. Donc fièvre de la griffure d'écureuil. Oh là là, ah, bravo. Traitement. Faire une piqûre. C'était quoi cette piqûre? Traitement. Faire une piqûre, sérum qui fait du bien. Allez, vas-y. Voilà. Bah c'est bien. J'ai hâte de terminer aussi. Et elle prend en charge le patient suivant, c'est parfait. Impeccable. Par contre, elle lui a pas dit de partir du coup. Alors est-ce qu'elle va... L'autre, est-ce qu'il va partir tout seul? Ouais, en fait, je pense qu'il part tout seul au bout d'un moment. Je vais essayer de pas lui dire de partir pour voir. Prendre de l'eau. Non, tu ne prendras pas de l'eau. Stop. Tu vas aller nettoyer. Puisque... voilà. Nettoyer et après tu vas aller remplir aussi ça. Ça peut servir. Alors. Hop. Où elle va? Ah oui. D'accord. Tu remplis. Et maintenant, tu accueilles un patient chaleureusement. Oui, les pattes. Dal n'est pas comme d'habitude, je crois qu'il ne va pas bien. Celui-là aussi, il a les yeux verrons. Allez, c'est parti. On va voir. La tête. Dal n'est pas stressé. Qui c'est lui? Je connais pas. Jacques Masson. Connais pas non plus. Et... Sébastien Bonnet, ok, je connais pas non plus. Alors, examen. J'ai jamais fait ça, consulter le dossier médical. En... Si je regardais un petit peu ce que ça fait. Hop, niveau supérieur. Sarah a atteint le niveau 5 pardon, de la compétence vétérinaire. Alors, Sarah a gagné beaucoup de points d'avantage. Elle peut désormais apaiser des animaux sur une table d'examen et fabriquer des friandises. J'ai pas essayé d'ailleurs. Des friandises bien-être avec la machine à médicaments. Dernière nouveauté et non des moindres, elle a également débloqué un adorable sticker mural d'animal. Génial. Bon, ben voilà, c'est cool. Elle a atteint la compétence numéro 5. Et j'ai encore 780 points d'avantage. Allez, on va. Examen. Donc, on va commencer par ça. Prendre la température. Inspection de la peau fourrure. Examen. Inspecter les oreilles.
Bon, je suis contente parce qu'il n'y a pas encore de patients suivis. Ah si, j'ai parlé trop vite. Il y en a une qui arrive, mais bon, du coup, ça va. Alors, elle commence à être un peu stressée. Je pense que je vais la calmer. Ah, j'avais un autre truc. C'était quoi? Calmer l'animal, apaiser l'animal. Et là, j'ai mis quoi? Examiner. Ouais, ok. Ouais, ça a débloqué une nouvelle interaction. Allez, apaiser. Hop, nickel. Traitement, non, pas du tout. Examen. Examiner la gueule. Hop. Haleine aigre. Ok. Examen. Écoutez le cœur. Ça y est, elle a trouvé. Jade aussi apparemment, donc c'est cool. Maladie de la patte palpitante. Ok, alors. Traitement, faire une piqûre. Sérum qui fait du bien. Vas-y, c'est parti. Une piqûre, et voilà. Maladie soignée. Voilà, mais c'est bon, hein. Je pense que je vais empêcher l'arrivée de nouveaux patients. J'ai envie de tester pour vous montrer... Ah, mais je peux m'en servir aussi pour commencer à examiner dalle, commencer la castration de dalle. D'accord, pour vous montrer un petit peu les autres objets du veto. Ça, c'est quoi? Contempler. Oh, bon, ça, c'est de la déco. Ensuite, nous avons notre... Ah, voilà, c'est là où on fabrique... Des friandises, station de chirurgie, agent calmant à base d'herbe à chat. Cet agent peut être administré à l'aide de la station de chirurgie. Il procure un meilleur diagnostic et réduit le stress du chat. Nickel. Gel simulateur de gratouille sur le ventre. Cet agent peut être administré à l'aide de la station de chirurgie. Il améliore le diagnostic et réduit le stress du chien. Ok, et... Table d'examen, c'est quoi? Sérum... Relaxant ultra puissant, ce sérum peut être administré sur la table d'examen et supprime tout le stress de l'animal. Donc ça j'ai vu, et friandises. On peut fabriquer diverses friandises, donc pâte à mâcher à la cannelle épicée. Cette friandise n'est pas chaude au toucher, mais si votre animal la mange, il aura une surprise sacrément épicée. Barre nutritive plus glaciale que l'azote liquide. Ça a l'air bon, hein. Votre animal aura besoin d'une couverture très très chaude après avoir mangé cette barre. Caramel des marais, fabriqué avec de l'eau d'un marais non filtré. Cette friandise à mâcher ravira votre animal. Il aura d'autres effets. Ça a l'air bon. Et friandise bien-être qui augmente le bien-être de votre animal. Et puanteur extrême. Ouh là là. Nous ne recommandons vraiment pas de donner cette friandise à un animal. Il sentira mauvais, vous sentirez mauvais, le monde entier sentira mauvais. Voilà, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ça c'est quoi? Ça c'est des jouets. Et puis voilà. Bon, ben, je pense que je vais m'arrêter là, au moins pour aujourd'hui. Peut-être que je continuerai un petit peu dans une autre vidéo pour avancer et vous montrer un petit peu ce que ça donne par la suite. Voilà, j'espère que ma petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez connaître la suite des aventures de Sarah Croft. Et aussi pour suivre aussi mes autres vidéos. Et j'espère que vous avez apprécié. Moi j'aime bien, franchement, je la trouve sympa cette petite carrière. C'est un bon mix de ce qu'on trouve... avec le restaurant et la carrière médecin, donc c'est pas mal. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut !